Bon alors comme vous vous êtes bien tous foutus de ma gueule hier, je vais essayer de faire un effort sur l'accent. Et je vais dire Liverpool, third day, troisième jour. Et il le fait un temps de malade. Regardez-moi ce ciel bleu, il n'y a pas un nuage. Bon, en même temps, il est 9h du mat. Oui, oui, je me suis couché tard et je me lève tôt. Mais en fait, je suis incapable de faire la grasse mat. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Plus Flo, il a encore un cadeau. Qu'est-ce que c'est? La grande France! Oh, ça fait plaisir, t'as trouvé ça où? J'aime déjà, c'est pour ça que je te dis. Je viens de retrouver Lise et tous les autres! On est d'accord qu'il fait un temps de malade? Ah, mais oui, c'est un temps anglais! Non, mais c'est vrai. Elle se fout de ma gueule! Bon bah écoutez, on va aller bruncher parce qu'on a très faim. Et oui, j'ai tout le temps faim. Ah là là, j'ai trop faim. J'ai l'expérience sur place, ce qu'on a fait depuis 2008. C'est vrai que maintenant, on n'arrive plus à se dire qu'on va faire une sans aller sur place. Ça devient juste inimaginable. Pour la journée de finale, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Il fait un temps mais magnifique, il fait super chaud. Tout le monde est au taquet. C'est génial. Je viens du coup de déjeuner avec Flo, Lise et Damien. C'était canon. J'ai pris un petit lemon cake en plus. Et j'ai un drapeau français maintenant. Je suis trop content. Mais vous savez ce que je vais faire maintenant dans l'après-midi. Je fais toujours une petite sieste. Donc, petite sieste pour être au taquet après toute la soirée. Pour cette finale de l'Eurovision qu'on attend depuis un an. C'est de la folie, marée humaine. Alors je veux acheter un sweatshirt ou des conneries estampillées Eurovision, mais voici la file d'attente pour rentrer dans la boutique. Alors, est-ce qu'on peut dire que la boutique est sous-dimensionnée? La réponse est oui. Ah là 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 là. Eh bah tant pis, hein. J'achèterai des bières. Musique partout, musique everywhere. Je pars avec des Haribo à l'Eurovision Village pour la grande finale. J'en peux plus, j'ai trop hâte. Et grâce à Flo, j'ai un drapeau. Alors pour faire plein de festivals, voilà, je sors du Tesco Express où je suis allé jeter quoi? Des sacs poubelles. Et là vous allez me dire pourquoi des sacs poubelles? Parce que je vais nettoyer la pelouse après. Oui, je pourrais, en bon citoyen. Mais non, je vais juste en profiter pour mettre par terre, pour éviter de prendre l'humidité quand on sera assis et que la nuit va tomber. Astuce de festivalier. Voilà, je vous partage ça comme ça, plaisir d'offrir. En fait, on a tous râlé de devoir payer les places pour l'Eurovision Village, 15 balles. Mais quand tu vois le monde, voilà, il est même pas 17h. Quand tu vois le monde, tu te dis, eh ben, finalement, c'est un confort que tu te payes. Éviter de faire la queue des 14h, quoi.
quais, et qui tout ne sont réparés. Il y en a surtout 150 000. Salut les folivores, salut Paris, salut Vincent, Quentin et Agathe. Ici, je suis en direct de la salle de Liverpool où le show va commencer dans quelques instants. Je suis ravi, ravi que vous fassiez cette soirée aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous vous amuser pour vivre cette Eurovision comme jamais. Le show promet d'être extraordinaire, donc j'espère que vous allez vraiment passer un bon moment. Amusez-vous bien et puis rendez-vous très vite et vive l'Eurovision! Hello everybody in Paris, have the best Eurovision night, it's the best time of the year I would say. Happy Eurovision and I cannot wait to be back in Paris, in France. Comment tu te sens? Fébrile, excitée et voilà, on va tout donner. Alors est-ce que tu as un message à adresser à tout le public des Folivores là en ce moment? Oui, allez acheter vos Sims, ok, parce que vous pouvez voter, là, ça prend juste un petit effort. Vous votez pour Lazara, comme ça on ramène la coupe à la maison. Et si on gagne, je vais la laisser chez vous. 4-5 jours ou plus, on verra. Passez une belle soirée et bonne Eurovision à tous. Yeah! Yes! Le temps est assassin. Je cherche l'amour de tout.
Je suis revenu en salle de presse pour couvrir la suite de l'événement et notamment l'annonce des points. Ça y est, on est tous fébriles, tous les artistes sont passés. Et putain, mais la prestation de Lazara, la folie à l'Eurovision Village. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Bon, c'est la séquence des points et je vous cache pas qu'on est assez surpris et déçu des scores des jurys, on comprend pas. On comprend pas. Julien, c'est la France. Oh là là. Bon ben c'est plié pour la France, je suis dégoûté. Dégoûté. 50 points du public. La prestation était géniale. Cyprus. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors la déculottée de l'Espagne était assez violente, j'ai pas pu filmer à ce moment-là. Et là maintenant c'est la Finlande. Alors est-ce que le public a voté en masse pour la Finlande ? After the public voted, you received 376 points. Qui calcule pour voir combien de points il reste à donner pour voir si c'est possible? Oh putain, 376 points. La Suède qui remporte le concours Eurovision de la chanson 2023. Oh la main! Ça va rouler le jeu! Attendez les polybars! Ça vous a plu la soirée? Wins now for Sweden. You tie as the country who has won the Eurovision Song Contest the most with Ireland. And next year, it will be 50 years since ABBA won with Waterloo. What a moment! You're taking the contest home to Sweden. Oh god, yeah. Yeah, it's gonna be a lot of fun. Are you coming? I would love to come, yes. And just tell us. Le grand retour, l'Eurovision 2023, c'est terminé. C'est quand même une fin où on a le seum. On va pas se mentir. Mais je suis ravi. Une chose qui me rend le plus heureux de tous, c'est le succès de cette soirée au Folivore. Le fait que ça se soit bien passé. Et donc bravo Quentin, Vincent, Agathe, je vous fais un gros bisou, vous avez géré comme des dieux. Et puis bah, nous on se retrouve très vite, mine de rien, parce que même si on rentre dans la PED, la soirée du 27 juin, enregistrement live de 12 points pour clôturer cette saison. Donc il y a encore un mois d'Eurovision avec nous, donc continuez à nous suivre. Des bisous, et puis pour les vlogs, rendez-vous l'année prochaine.